deutsch-französische Jugendwerkes heute hier, weil heute der 5. Juli ist. Und der 5. Juli ist der Geburtstag des deutsch-französischen Jugendwerks. Zum einen haben wir zwei Mädchenfußballmannschaften eingeladen, die noch nicht den deutsch-französischen Austausch kennen. Ja, ich denke schon, dass es gerade jetzt im Rahmen der WM schon eine tolle Aktion ist, dass wir Mädchenmannschaften an der Basis, Schulmannschaften natürlich aus Roubaix und aus Mönchengladbach gemeinsam hier auf dem Spielfeld der altwürdigen Anlage spielen lassen können. Ja, das ist das erste Mal, dass ich gegen eine französische Mannschaft spiele. Das ist sehr aufregend. On voit comment ça joue ici. Et après, on peut découvrir d'autres choses. On crée des liens, des partenariats entre eux et nous. Et après, ben, par la suite, on pourra revenir. Ou elle. C'est pas donné à tout le monde de venir des gens d'Allemagne. Et puis de jouer contre une équipe allemande aussi, je trouve ça super. Comme j'ai déjà fait de l'allemand, peut-être que j'aurai quelques mots et puis on pourra parler comme ça. Ja, ich denke, dass mein Französischkenntnissen schon weiterbringt hier mit den Mädchen, wenn wir mal miteinander reden. Ja, dann ich glaube, das bringt schon Verbesserung. On a constaté quand même qu'avec le biais de se retrouver avec des Allemandes, ils ont échangé avec leurs mots et tout. Donc justement, le retour en famille peut dire que cette langue peut être intéressante et essayer de transmettre à leurs frères, à leurs petits frères et ainsi de suite, d'essayer de l'apprendre pour évoluer. Für unsere Schüler ist es wichtig, neu in die Partnerstadt zu reisen. Und deshalb pflegt Mönchengladbach eigentlich einen recht guten Kontakt in die Partnerstadt Roubaix. Parallèlement à ces échanges sportifs qui courent tout au long de l'année, nous profitons des grands événements internationaux sportifs pour mettre en place des programmes qui profitent finalement de ces événements phares pour attirer l'attention sur les échanges sportifs franco-allemands, pour attirer l'attention sur la France ou sur l'Allemagne. Alors spécifiquement dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin, qui est finalement un événement original et très important. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place avec nos partenaires, la FIFA, la Fédération française de football, le Deutsche Fußballbund, le comité d'organisation de cette Coupe du Monde. Nous avons mis en place un programme de volontaires. Nous avons sélectionné 50 jeunes de France, avec aussi des candidatures qui étaient présentées en tandem, pour les mettre à la disposition du comité d'organisation. Et ces jeunes auront l'honneur, finalement, de participer à l'organisation de cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est une superbe expérience parce qu'on est confronté à l'organisation d'un événement tel qu'une Coupe du Monde. De voir comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur, de voir comment on accueille les VIP, comment on accueille les spectateurs, comment on fait pour que tout fonctionne, que toute la machine se mette en route. Je trouve ça super intéressant et je pense que ça va forcément me servir. Bah, j'aimerais bien peut-être travailler dans le monde du sport par le biais du droit. Donc, mon rêve, ce serait la FIFA. Et donc c'est vrai que ça m'apporte plein de choses au niveau de la langue, c'est important. Au niveau de la culture, c'est toujours bien, c'est positif sur un CV et ça fait beaucoup d'expérience. C'est très enrichissant. J'ai commencé le 25 juin et puis j'ai travaillé 3 jours aux accréditations. Et puis là, bah, depuis ces 3 jours-là, je suis aux médias, donc c'est magnifique, quoi. Plus tard, je vais être journaliste. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment être dans les médias et ça m'apporte un plus parce que je parle avec les journalistes étrangers. Il y a des journalistes qui viennent du Japon, d'Australie, de France, bien sûr. Donc ça me permet de savoir un peu plus sur leur motivation, sur leur parcours. Donc ça m'apporte un plus quand même. Frankreich, das ist für mich das Symbol für ein freiheitliches Europa mit den Deutschen zusammen, der Aussöhnung nach dem Krieg. Und das muss deutsch-französisches Jugendwerk machen, auf allen Ebenen, besonders auch in der Kultur, aber auch natürlich im Sport. Sport ist die populärste Begegnungsbewegung in Frankreich wie in Deutschland. Und da spielt der Fußball natürlich einen ganz entscheidenden, besonderen Stellenwert wieder. Also alles, was wir in dieser Richtung tun können, ist im wahrsten Sinne des Wortes Friedenspolitik. Wir erleben, dass da ganz viel Partnerschaft stattfindet zwischen Menschen, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Schulen, zwischen Vereinen.
Das heißt, im Grunde genommen gelebtes Europa, gar nicht so sehr auf der administrativen Ebene, aber zwischen Menschen. Das, glaube ich, macht Europa aus. Und das zeichnet auch die Freundschaft zwischen Mönchengladbach und Roubaix aus. C'est une occasion de renforcer les liens qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne. C'est vrai que les organisateurs ont besoin de beaucoup de volontaires. C'est vrai que les volontaires sont souvent des passionnés de sport, donc je crois que tout est réuni pour qu'on puisse faire quelque chose à la fois d'intéressant et d'utile.